Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 33e épisode de Turing Complete, et aujourd'hui on accède à la RAM. Allez, en route. Je sais plus comment on prend la couleur d'un... Ah ! Un fil. Tiens, contrôle. Pipette à fil, contrôle R. Colorer le fil, contrôle F. Contrôle E pour appliquer au groupe. Contrôle R pour la pipette. Voilà. Donc, toi, 8, en fait, tu vas aller là, et 9, tu vas aller là. Donc là, j'ai un registre spécial pour la RAM, après mon out. C'est dans ce registre que je stockerai des trucs. C'est quoi déjà le 6? Comment 6, il est pas foutu comme les autres? Ah, c'est mon compteur. C'est mon compteur. Ça, c'est mon registre spécial RAM. Je te mette là-haut. Ouais, je te mette en bas, faut que je te mette en haut. Nous utiliserons un registre pour choisir l'adresse de la RAM. Ainsi, si tu veux sauvegarder ou charger une valeur, tu pourras indiquer l'adresse dans ce registre. Donc,
Et si j'ai l'adresse de mon registre, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée ce que j'ai fait là. Je suis pas sûr du tout que ça soit une bonne idée. Pour écrire oui. Mais si j'écris pas, si j'écris pas, je lis pas sur... Plutôt... J'écris. C'est que c'est ma sortie, mon violet. Mais si... Mais est-ce que j'ai une instruction pour lire ? Bien, est-ce que si je n'écris pas, je lis depuis cette adresse? Quoique... On peut avoir un write mem. On a un read mem. Adresse valeur.
On a Reed, par exemple. Et Wright. Mettons. Donc j'ai Reed et Wright. Reed, ça va faire on lit l'adresse. On lit l'adresse. Oh, c'est bleu. Oui. Reed. On lit l'adresse là. Right. Ça. Donc ça, c'est notre adresse. Notre adresse, c'était celui-là. Parce que j'ai une autre couleur. Je l'utilise pas déjà. Ça, j'utilise. Ça, j'utilise pas. Pas City Builder. Ouais, c'est City Skylines 4. Donc si je me mets en read ou en write, ok. Et ce qu'il y a, c'est que en read, on va lui dire lire. Donc toi, lire. Et en write, je vais dire écrire. Et en write, on a la valeur à écrire. Ça va venir du jaune.
ça comme ça. R. Hop, et je vais m'écrire la valeur. Et par contre, en read, la valeur. Je vais l'écrire sur le hook. Je vais l'écrire par là. Du coup, non. Miss Click. Oui, je me souviens. J'étais dedans il n'y a pas longtemps. C'est les instructions. C'est... Read 41 right. Et en fait, je mets dans mon ce que je veux, je peux le dégager. Donc, on va se mettre à 0. Tu pars à 0. À 0, donc c'est très bien. C'est 32 valeurs, donc je veux write, je veux plutôt je veux write dans mon registre à l'adresse 5, par exemple, à l'adresse du registre 5. Essayer de se passer de celui-là. Non, j'ai rajouté pour rien. À l'adresse du registre 5, je veux write le in-out ensuite je veux add je veux add 1 et qu'on ajoute 1 au registre 5 dans le registre 5. N'oublie pas le yield.
Presque. Donc du coup, j'incrémente mon registre 5 pour la valeur 1. On va faire un 7 less than. Donc, tant que mon registre 5 a la valeur inférieure à la valeur immédiate 32, donc que je fasse un set less than. Tac. Set less than 2. Donc valeur immédiate 32. On va revenir à 0. Et ensuite, on fait un add (12, 0, 0, 5). Donc je reset 5. Je fais un read. Ah, sauf que lui, il fallait que je mette un truc. Zéro. Très bien. Sauf qu'il n'y a pas besoin de me préciser à zéro. Il y a besoin si tout est décalé. Et oui. Ok. Read. Donc je lis à mon registre 5 et je sors ici et set less than 2 également. Donc tant que mon registre 5 est inférieur à 32, je retourne à l'adresse TED. Ça a pas l'air mal. Ah. Wait, 1 is 216, not 251. Il m'a bien collé 233. 31. Et maintenant, en 2, on réinitialise. Parce que je suis sur mon set less than.
Ok. Là, je read 251. J'envoie bien 251 sur out. Oui, forcément. Si j'incrémente pas, ça risque pas de marcher. Ok, ça c'était un test qu'on est en train de faire. Voilà. Ok. C'est pas hyper opti en termes de place. Comme ça, c'est un chou. Côté ici et pas... Non ! C'est pas là. Mieux comme ça. Plus petit. Et du coup... Là. Voilà, comme ça. Trouve ça mieux. Je trouve un petit chariot avec les composants de plus. Bon, du coup, j'ai rajouté un registre. Non, un registre, c'est le registre bonus. J'ai commencé à me prendre la tête, c'était beaucoup plus simple. Ok. Moralité, on peut faire la pile. Pour raison d'économie, il a été décidé de gérer différemment les files d'attente dans les établissements publics pour réduire le nombre de demandes. Plus de premier arrivé, premier servi, maintenant la règle sera le dernier arrivé, le premier servi. Imagine une pile de fiches numérotées où les usagers peuvent aller déposer leurs fiches au-dessus, action empilée. Et les fonctionnaires prennent la fiche la plus haut de la pile, action dépilée. À toi d'implémenter ce nouveau système. On va pas quitter si d'acheter un registre bonus offert. Un registre bonus. À chaque cycle, les entrées indiqueront soit empilées, soit dépilées. Empilées stocke la valeur en haut de la pile. Quand c'est dépilé, retire cette valeur de la pile et envoie-la en sortie. Ok. Voilà, donc ça c'est dépilé. Ça c'est empilé.
C'est parce que je... Ça. Et... Ça. Ok, mais il faut gérer l'adresse. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!